Le mur qui est placé. Théo Lenormand avec son pied droit. Théo Lenormand! Ouh! Et ça sera le poteau. Ça sera le poteau pour avancer. Le centre encore instantané du pied gauche. Repoussé. Allez, le coup de sifflet. Ça sera Mohamed Benfred de son pied gauche. Il est plutôt bien frappé dans la boîte. Ça passe au-dessus du but d'Avranches. Le 1-2 peut-être, oui, bien joué avec Loïc Ball, Maxence Rivera dans la surface, l'enroulé, pied gauche. Ah, bien joué. Bel enchaînement en tout cas, très belle combinaison de passes du côté des Pono là, ça joue bien pour l'instant. Avec Maxence Rivera. Ah là, il y a Reda Lamrabet qui a laissé traîner le pied. Ce sera un carton jaune pour Reda Lamrabet. Ah, deuxième. Et c'est le deuxième, et c'est le deuxième pour Reda Lamrabet. Et oui, il avait déjà pris un carton jaune et le carton rouge pour le piston gauche de l'équipe d'Avranches. Et c'est fini pour cette première mi-temps. En tout cas, 0-0. Ouais, bien joué ça. Avec Loïc Ball, la frappe du pied gauche de Loïc Ball. Et l'arrêt d'Anthony Beuve en deux temps. Avec Tom Dupont-Chel. Non, c'est Mohamed. Ah, bien joué ça. La frappe enchaînée pied gauche et la parade. La grosse parade d'Anthony Beuve. Et le centre maintenant effectué. Oui. La tête de Mohamed Benfredj qui passe à côté. Et Théo Lenormand qui va s'élancer avec son pied droit. Oh là là là, la parade de Yann Maria. Magnifique cette parade. Ah, c'est bien défendu. Ah, celle-là par contre. Elle est évidente. Et oui, c'est deux cartons jaunes de suite pour Samy Belkorchia et carton rouge pour le défenseur gauche du Puy. Nicolas Mercier. Nicolas Mercier qui... Et sur le côté gauche qui attention. Va retrouver attention. Attention, le attention. Bon ballon. Le bon ballon maintenant pour Zes Floard qui vient de rentrer, le petit piqué et le but et l'ouverture du score au stade Charles Massot. L'ouverture du score du rentrant. Ça fait deux minutes qu'il est sur le terrain. Maxence Zes Floard. Et ça fait 1-0 pour Avranches. Le long ballon pour oui. L'enchaînement de Mohamed Benfred. Il a pris le pénalty. Pénalty pour le Puy. Le pénalty avec cet accrochage sur Mohamed Benfredj. Allez, le pénalty pour le Puy. Et le but. Et le but de Mohamed Benfredj. L'égalisation à la 82e minute. Juste quelques minutes après l'ouverture du score d'Avranches. Un pénalty pleine lucarde, imparable pour Anthony Beuve qui était parti de l'autre côté. Ça fait un partout ici entre le Puy et Avranches. L'arbitre de la rencontre qui regarde sa montre. Et c'est terminé. C'est terminé ici au stade Charles Massot, un partout entre Avranches et le Puy.